Madame Cooper est morte d'une embolie pulmonaire. Ça, c'est le résultat de l'autopsie qui a été faite sur son corps. Et cette information, je la tire de la page Facebook Jambo FM 91. Voilà. Contrairement à ce que les gens pensaient, contrairement à la rumeur qui a tout de suite envahi la toile, selon laquelle Madame Cooper aurait été empoisonnée. Donc, le résultat de l'autopsie nous dit que Madame Cooper est morte d'une embolie pulmonaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une embolie pulmonaire, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Alors, regardons cette petite vidéo explicative ensemble et ensuite on va revenir pour coller un petit commentaire. Le système circulatoire transporte le sang dans tout l'organisme au moyen d'un réseau complexe d'artères et de veines. Le système veineux est la partie du système circulatoire qui utilise les veines pour envoyer le sang vicié ou désoxygéné vers le cœur et les poumons. Parfois, des irrégularités de la paroi d'une veine, en particulier dans les zones à faible débit, telles que la zone entourant une valvule veineuse, peuvent entraîner la formation d'un caillot sanguin ou thrombus. Dès qu'il est formé, le thrombus grossit dans la veine avec des dépôts supplémentaires de fibrine et de globules rouges. En plus d'entraîner une inflammation de la veine et de bloquer la circulation sanguine, le thrombus veineux, en totalité ou en partie, risque fort de se détacher et de circuler dans le flux sanguin. Ces thrombus mobiles peuvent passer dans le cœur et finalement se loger dans les petits vaisseaux sanguins des poumons. Le caillot logé, appelé embole pulmonaire, peut compromettre le flux sanguin vers les poumons, entraînant un essoufflement, des étourdissements, une toux et une douleur thoracique. L'apparition d'une embolie pulmonaire est une urgence médicale nécessitant des soins médicaux urgents. Bon voilà, après avoir écouté ce que c'est qu'une embolie pulmonaire, je vous laisse maintenant écouter une petite vidéo qui nous dit quels sont les symptômes d'une embolie pulmonaire, c'est-à-dire comment est-ce que ça se manifeste physiquement sur votre corps, l'embolie pulmonaire. Donc écoutons le médecin et ensuite on va revenir. Les symptômes, c'est en général, très classiquement, c'est une douleur dans la poitrine, une douleur au niveau thoracique. C'est vraiment un point brutal qui, en général, s'associe à une difficulté à respirer. Donc, point dans la poitrine, difficulté à respirer, chez quelqu'un qui a un antécédent de phlébite ou une phlébite, ça signe une embolie pulmonaire. Quelqu'un qui a, ce qu'on voit de temps en temps, un mollet qui est gonflé, une douleur dans un mollet et qui vous dit « j'ai une douleur dans la poitrine d'un seul coup avec des difficultés à respirer », là vous savez que c'est une embolie pulmonaire, donc là c'est une hospitalisation. Donc voilà, vous avez donc écouté les deux vidéos. De façon terre à terre, on va dire que l'embolie pulmonaire, n'est-ce pas, c'est en fait la conséquence d'un dysfonctionnement de votre circulation sanguine. La conséquence d'un dysfonctionnement de la circulation sanguine qui se manifeste par le fait que le sang forme des caillots. Voilà, il y a un caillot de sang qui peut se former à l'intérieur de vos vaisseaux, généralement là-bas, du côté des jambes. Et maintenant, lorsque ce caillot de sang est formé, il peut gonfler et boucher les vaisseaux sanguins et empêcher de telle sorte que empêcher la bonne circulation sanguine. Et parfois, le caillot qui s'est formé là peut se détacher, donc il peut se découper en morceaux. Et ces morceaux de sang, ces caillots, commencent à migrer dans tous les vaisseaux sanguins, dans tout l'organisme, et arrivent au niveau des poumons. Donc les morceaux de caillots de sang peuvent migrer vers les poumons et ça bouche les artères qui, enfin, les vaisseaux qui permettent la circulation sanguine au niveau des poumons en particulier. Et ça fait que le sang ne circule plus normalement. Ça va vous étouffer. Et on dit que les conséquences sont à peu près comme lorsque vous avez un arrêt cardiaque, donc des difficultés à respirer, des douleurs pulmonaires et ainsi de suite. Donc, tout ce qui nourrissait l'information selon laquelle Madame Cooper aurait été empoisonnée, on doit comprendre que, en principe, on doit comprendre que ce n'était pas un empoisonnement selon l'autopsie et que on sait désormais de quoi est morte Madame Cooper. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même certaines questions qui restent en suspens parce que on nous rapporte que des interpellations avaient été faites et que parmi ces interpellations, on a arrêté son meilleur ami, on a arrêté sa ménagère, on a arrêté sa meilleure copine. Et il nous était revenu que la meilleure amie de Madame Cooper qui avait été interpellée, elle est passée aux aveux.
Parce que c'est ce qui se disait dans les réseaux sociaux, c'est l'information qui circulait selon laquelle la fille a reconnu avoir empoisonné Madame Cooper. Maintenant, on ne comprend plus rien. La dame, si c'est vrai qu'elle a reconnu qu'elle a empoisonné Madame Cooper, le rapport avec le résultat de l'autopsie, donc, c'est lequel? Point d'interrogation. Maintenant, vous comprenez que là, nous sommes un peu perdus. Oui, nous sommes un peu perdus parce que, d'une part, la dame a reconnu avoir empoisonné Madame Cooper. Bon, d'après ce qui s'est dit, et le résultat de l'autopsie montre que c'est plutôt autre chose. Hein? Est-ce que le poison peut engendrer cette maladie-là? Parce que là, on ne comprend plus rien. De toute façon, les amis, il y a des informations qu'on ne peut pas discuter, en fait. Il y a des informations qu'on ne discute pas. L'autopsie a déjà été faite. On va laisser la justice suivre son cours. Mais retenez juste que Madame Cooper, elle est morte d'une embolie pulmonaire. D'une embolie pulmonaire. Et vous, j'ai poussé un peu les recherches un peu plus loin. On dit que ce sont des choses pour les éviter. Il faut pratiquer régulièrement des exercices physiques parce que c'est en fait c'est la coagulation du sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins qui cause ça, qui cause la formation des cailloux. Et pour éviter, on recommande une bonne alimentation et l'exercice physique. Donc les gens qui n'aiment pas le sport là, commencez déjà à vous mettre à l'exercice physique. Il faut aussi lutter contre la prise de poids. Voilà, il faut lutter contre la prise de poids. Parce que tout ça peut engendrer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Donc, vous pouvez faire vous-même faire des recherches sur Google, sur YouTube. Vous avez plusieurs médecins qui parlent de ce sujet-là. Et moi, personnellement, je comprends que ça peut toucher tout le monde. Bon, maintenant, on attend que la justice suive son cours. Et parce que là, on est vraiment perdu, comme je vous ai dit. On est perdu entre l'embolie pulmonaire dont révèle l'autopsie et la fille dont on dit qu'elle est passée aux aveux. Là, on ne comprend plus rien. De toutes les façons, chers amis, donnez-nous votre avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on puisse débattre et trouver ensemble un raisonnement fondamental en fait.